La réaction est une réaction de surprise, d'étonnement, et puis une réaction de négation, parce que c'est faux. Ce que Laurent Wauquiez a dit est faux. Je pense que pris dans l'effervescence de ses interventions, il a confondu certains sujets. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'agissant du financement du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, je suis absolument sûr de mon fait et je tiens toutes les preuves à disposition. Nous ne recevons aucune subvention de fonctionnement de la part de la région, aucune. C'est même mieux que ça. Nous avons refusé depuis 10 ans des subventions qui nous étaient proposées, à l'origine sous la présidence de Jean-Jacques Kerrane, mais on continue à le faire. Et par ailleurs, nous avons 3 programmes qui sont non seulement cofinancés, mais initiés par la région, c'est-à-dire que le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est l'opérateur de ces programmes, avec une enveloppe de financement globale de l'ordre de 300 000 euros. Tout ça est parfaitement tracé, c'est de l'argent public, il est normal que nous soyons contrôlés. Mais ce qui est encore mieux, c'est que la région n'en finit pas de se réjouir de l'efficacité de ces programmes. Mais comment vous expliquez la violence de ces propos à l'égard de votre syndicat ? Précisément, je ne me l'explique pas. Alors, ça fait partie d'une petite musique que je trouve un peu malsaine, hein, contre les corps intermédiaires. Pour ma part, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je pense qu'on a des choses plus intéressantes, plus intelligentes à faire, y compris avec M. Wauquiez. Et donc, c'est un amalgame que je trouve totalement déplacé. Mais il en est après vous ? Je ne pense pas qu'il en est après moi. Après moi, personnellement, je n'ai pas cette impression, mais peu importe. Après le MEDEF, c'est à lui de le dire. En tout cas, moi, je fais mon bonhomme de chemin. Les actions qu'on développe avec la région, elles portent sur quoi ? Elles portent sur l'insertion des chômeurs de longue durée. Elles portent sur l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises pour qu'elles se financent. Et elles portent enfin sur les relations entre l'école et l'entreprise qu'on doit toujours améliorer. Je pense que ce sont de belles causes. À nouveau, nos résultats sont reconnus. Donc, je n'ai aucun état d'âme. Donc, pas d'argent de la région pour votre syndicat. En revanche, la région est venue vous chercher pour développer certaines activités. C'est exactement ça. Et je le redis, des activités qui sont parfaitement identifiées, avec des financements qui sont extrêmement clairs, transparents, le contrôle de l'utilisation des fonds, le contrôle des résultats. Et je dirais que le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes coche toutes les cases, puisqu'on a de bons résultats et que pas un euro n'est détourné au bénéfice de notre action syndicale. Vous pensez que ces déclarations vont abîmer l'image de votre syndicat ? Je pense que ces déclarations peuvent abîmer l'image des syndicats d'une manière générale, dont je redis qu'ils ont sans cesse à se remettre en cause, à être plus efficaces, à être plus transparents, mais qu'ils sont bigrement utiles à la vie du pays.